Je décide de faire la vidéo, mais j'apporte pas le stock que j'ai besoin. Salut les amis, donc ce soir j'ai décidé de faire une vidéo et c'est la vidéo mes produits terminés, donc j'ai un très gros sac ici. Omega! Ouais, il est très rempli, donc je me suis dit que c'était le moment de le faire parce que sinon, non, hein? Donc je vais commencer tout de suite. Donc premier produit, un sac, c'est vrai. Un autre sac. Y a pas, je pense pas qu'il y a vraiment des produits maquillage, mais en tout cas, on va voir ensemble. Donc, le premier produit que j'ai terminé, c'est une brume parfumée de chez Victoria's. Oh mon dieu, mon anglais est très bon. Secret. Et c'est Midnight Mimosa. Voilà, ça sent la poudre de bébé. Voilà. Non, je ne rachète pas. Ça sent bon le bébé, mais non, ça me tente pas. Non. Ouch. Voilà. Ensuite, oh mon dieu, si je peux vous raconter une histoire, ça m'a pris genre 200 ans pour finir ce revitalisant. Je suis enfin contente de l'avoir fini. Donc, c'est de Herbal Essence. Hello Hydration. Ben ça c'est un revitalisant hydratant. C'est très bon. Ça sent très bon aussi. Je sais pas si je vais l'arracher parce que j'ai une caisse remplie de shampoing et de revitalisant. Donc s'il m'en reste plus, probablement que je vais l'arracher parce que ça sent vraiment bon. Puis c'est vrai que ça hydrate très bien. Enfin! Oh mon dieu! Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça ici? C'est un savon pour mon chat. Donc, c'est ça, c'est bien, ça fait le travail. Ensuite, ici, c'est de chez Moisture. J'ai des cheveux crépus, frisés, naturels. Donc, c'est Coconut and Hibiscus. Curl and Style Mix. Thick Curly Hair. Ça, c'est mes cheveux. Et c'est vraiment bon parce qu'il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, phtalate, blush, non paraffines. En fait, toutes les mauvaises choses qu'on peut retrouver dans certains produits, il ne les a pas. Et ça sent extrêmement bon. À chaque fois que je le mets dans mes cheveux, je vous le jure, tout le monde me sent et tout le monde adore parce que ça sent la coconut et de hibiscus. Et en tout cas, si vous avez le type de cheveux que j'ai, puis que vous avez vraiment besoin d'hydratation, je vous dis que cette crème, elle est vraiment très très bonne. Voilà. Et c'est pas la première que je finis, j'en ai fini 2000. Go max. Ah, c'est super intéressant. Bon, il va rester par terre. Ensuite ici, c'est Biosource de Biotherm. C'est une lotion tonifiante hydratation instantanée. Pour l'hydratation, j'ai vu aucune hydratation après avoir utilisé ça. Là. Si je la rachèterais... Non, je pense pas non. Donc ensuite ici, c'est Vitamine C Soin Dynamisant de chez Body Shop. Ça sent les agrumes. Puis ça faisait déjà. Ça, je trouve que c'est vraiment une consistance un peu siliconeuse. Siliconeuse? Ouais? Non. Je sais pas. Mais pour une peau d'eau, c'est éclatant. Non. Peau terne. Pour de vrai. Peut-être que j'ai remarqué que mes taches avaient peut-être un petit peu plus diminué, mais il faudrait que je continue à l'utiliser pour que j'aie vraiment une amélioration. Mais si je le rachète, non. Non. Hello! Bon, ok, ça c'est le Dove Go Fresh Body Mist Brume pour le corps. Je viens de remarquer qu'on peut le scratch et le sentir. Ça sent le parfum de concombre et de thé vert.
Je le rachèterai, non. Oh. On dirait que j'ai une draft d'alcool. Mais non, je le rachèterai pas. Non. Donc, rachèterai. Reconstruction. Finishing Elixir. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est Dry Damage Hair. Cheveux secs. Endommagés. Contrôle les frisottis, améliore la brillance. Pour de vrai, j'ai des cheveux fins et ce truc est très, 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 très gras et huileux. Donc, pour de vrai, je ne rachèterai vraiment pas ça. Si vous avez des cheveux plus épais que moi et que vous sentez que vous avez vraiment besoin d'une huile vraiment, vraiment épaisse, ça va faire l'affaire pour vous. Ok, ensuite ici, bon, ben, je pense que tout le monde... cette crème. Bon, mais c'est la crème de chez Bobbi Brown. Hydrating Eye Cream. Ben, hydratant pour les yeux. Tout simplement. Moi, je trouve que ça sent la crème solaire. Bof. Pour de vrai, bof. Pour le prix... Bof. Non, je pense pas que je l'achète. Non. 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 Ensuite ici, j'avais un masque nutrition intense à la moelle végétale de phytospécifique. Oh, premièrement, ça sent vraiment pas bon. Non, mais ça sent pas bon du tout. Si je l'achèterais, ça c'est sûr que non. Pour de vrai, c'est censé donner de la nutrition. Je sais pas, quand je l'utilisais après, je sentais que mes cheveux étaient secs. Il me semble que c'est censé faire le contraire. En tout cas, pour de vrai, je le rachèterai pas. Ok, ensuite, oh mon dieu. Oh, ce revitalisant de chez Dove. Le Nutritive Solution. Il sent tellement bon. Je vous le jure, allez vous le procurer. Après, ça reste sur les cheveux. Moi, j'aime quand les revitalisants, comme en fait, l'odeur reste sur mes cheveux. J'adore vraiment. J'adore. Puis ravive les cheveux secs et frisottés. Pour de vrai, c'est vraiment bon. Pour de vrai, là... Pour de vrai, ça sent bon et ça dit ce que ça fait. Mais je le rachèterai pas parce que j'en ai déjà un autre dans ma boîte de réserve. Bon, les bougies, ça sent super bon, mais pour de vrai, ça fait, je pense, 7 ans que je l'ai. Et elle m'a enfin quitté. Non, j'étais vraiment tannée. Pour de vrai, non. Ici aussi, c'est une autre bougie de chez Feu et Passion, Green Tea et Orchidée. Thé vert et orchidée. Ouais, ça sentait bon. Ça sent la nature, ça sent la jungle. Si je l'achèterais encore, non. Ensuite, ici, ah oui, oui, ce shampoing-là, oui. Cure chevelu sensible, shampoing intelligent, phyto-apaisant de chez Phyto. Je vous le jure, les amis. Je sais pas qu'est-ce que j'avais sur le cuir chevelu, mais vous savez quand vous touchez votre cuir chevelu, puis c'est comme sensé, puis comme vous vous touchez, puis là ça fait comme... Ça fait mal, mais ça fait du bien en même temps. Et je sais que certains et certaines d'entre vous, c'est ce que c'est. Et je vous le jure, ça durait au moins pendant une semaine, puis j'étais vraiment tannée, donc je me suis dit que j'allais essayer ce shampoing. Et pour de vrai, je vous le jure, ça fait trop du bien. Je pouvais enfin comme me sentir relaxée. Ouais. Ça sent la nature aussi. Pour de vrai, les shampoings phyto, c'est vraiment bon. J'avoue que c'est un petit peu dispendieux, mais pour de vrai, c'est vraiment bon. Si vous cherchez des produits naturels, shampoing phyto. It's really good. Donc, ouais, c'est sûr que je le rachèterai. Ok, j'étais comme, c'est quoi ça? Donc, c'est la crème de chez La Roche-Posay et Faclarca. Soin rénovation peau grasse anti-récidive. Donc, anti-récidive, ce que ça veut dire, c'est qu'après que vous avez fini d'utiliser la crème, eh bien, ça va, les problèmes de votre peau va revenir. Bonne explication. Donc c'est Eva Clarka. Donc maintenant, c'est sûr que je la rachète pas celle-là, mais la Eva Clark Duo Plus, je la rachèterai, c'est sûr. Mais celle-là,
Subtil élixir. Donc, huile de brillance, nutrition intense, cheveux secs, ultra secs, de chez Phyto Paris. Donc, ok, dans le fond, ça c'est comme une huile qu'on utilise avant le shampoing. Donc, on laisse poser pendant 10 minutes. Puis après, je les lavais. Puis après, c'est ça, on les lave. Puis après, ils sont censés être nourris, brillants. Oui, c'était moins sec. Mais je sais pas. Je pense pas que je la rachèterai. Ok, bon, mais ça c'est un parfum que j'ai eu quand je travaillais. Ben en fait, je travaillais encore au Pharmaprix. Mais que j'ai eu. C'est de Oh Lala. Non, c'est Oh Lola, pas Lala. Oh mon dieu. Non. De chez Marc Jacobs. Et pour de vrai, je pense qu'il n'existe plus. Mais je l'achèterai pas pour de vrai. Mon dieu. Ok, un autre parfum. Donc celui-ci, c'est de Viva la Juicy La Fleur. Il est très similaire à l'autre, l'original qui vient en bouteille comme ça. Mais oui, ça sent très très bon. Ça sent presque comme l'original, comme ça, mais juste que lui est plus fleuri, mais très légèrement pour de vrai. Si je le rachèterais, non. J'ai capote. C'est de 1, c'est la fin. Et de 2. Oh mon dieu, ce parfum, je vous le jure. C'est de Givenchy et c'est le Dahlia Noir. Vous voyez Dahlia Noir. Dahlia. Ah, ça sent tellement bon. Ça sent fort, mais bon. Comme c'est vraiment pas agressant, c'est pas comme les parfums comme Opium, on va dire, de Yves Saint Laurent. Oh, ça sent vraiment bon. Ça sent, je pense que ça sent la Dahlia, mais bon. Quelle bonne description, Claudine. Mais voilà, ça sent très bon. Voilà. Donc, dernier produit et non le moindre, on garde toujours les meilleurs pour la fin. Donc, c'est le produit que je crois que tout le monde devrait aller se procurer pour de vrai. C'est le, okay, selon moi, c'est le meilleur produit. Et c'est ça. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Joke. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo produit terminé. Donc j'espère que toutes mes descriptions étaient passables et que vous avez apprécié aussi ma vidéo. Donc si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce comme ça. De partager aussi si vous avez aimé. Si vous avez des suggestions. Toujours la difficulté à dire ce mot. Suggestions. Vous pouvez les laisser en boîte de commentaires. Et si ça vous intéresse de voir plus de vidéos de ma part, ben vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Voilà!